Je développe plutôt un travail de sculpture, photographie et installation autour de la notion de paysage. Je fédère maintenant depuis plusieurs années d'autres professionnels qui ne sont pas forcément du milieu artistique, notamment des scientifiques, et dernièrement des artisans. Je les fédère autour de mon processus de création pour pouvoir en fait m'inspirer de certaines techniques, nourrir aussi mon travail avec des discussions qui ne sont pas forcément au cœur de l'art contemporain. La marqueterie, c'est une technique d'ébénisterie qui a eu son essor dans la Renaissance et qui consiste à réaliser un dessin grâce à un assemblage de pièces en bois qui sont découpées et qui reproduisent le dessin. Alors le Prix Vicard, donc, c'est une résidence qui se déroule à Rome, en plein cœur de Rome. C'est un dispositif qui est né par le chevalier Vicard, qui a légué à la ville de Rome cet atelier. Et depuis, successivement, plusieurs artistes ont la possibilité de travailler dans cet atelier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à peu près 3 à 4 lauréats par année à partir. Et durant ma résidence, ce qui m'a le plus impacté, c'était la rencontre avec Renato Olivastri, qui est marketeur et qui a son atelier à Florence. Si je partais à Rome, ce n'était pas forcément pour voir de l'art contemporain, mais plutôt me rapprocher des techniques ancestrales telles que la marqueterie. Et surtout de m'inspirer de dispositifs de monstration anciens. Comme je m'intéresse au paysage, il s'avère que dans l'histoire du paysage, ça a été longuement représenté dans la peinture, mais je cherchais des dispositifs où il y aurait des croisements entre la sculpture, mais aussi le dessin. La marqueterie fait partie de ces techniques de monstration. Et elle est au croisement de différents arts, donc aussi bien l'ébénisterie, la sculpture et le dessin. Et c'est ce qui me plaisait dans cette technique, donc j'ai voulu en savoir plus. Ça a été ma première collaboration avec un artisan. Le dispositif Vicard, moi, m'a apporté beaucoup en termes de rencontres et notamment en termes de technique, puisque j'ai ouvert mon regard au travers de la marqueterie et des techniques ancestrales. À mon échelle, je suis une artiste encore émergente et c'est hyper intéressant de pouvoir, à ce stade-là, partir en Italie, faire des rencontres sur place et du coup, forcément pour le réseau, c'est hyper enrichissant. Oui, l'exposition Forme à l'italienne, Habiter le trouble. On était 4 avec Flora Feta qui assurait le commissariat, donc Lise Le Richaume, Sylvain Coyali et Virandre Serra. Ça a été, je pense, hyper intéressant de se confronter aussi à la manière dont ils ont éprouvé la résidence, puisqu'on a des pratiques complètement différentes et le fait de pouvoir les confronter dans un même espace à travers une expérience commune était assez enrichissant. La ville de Lille fait le projet d'acquisition d'une pièce, ce qui fait que c'est aussi une opportunité de rentrer dans des fonds publics. À l'issue de l'exposition, chaque lauréat peut effectivement proposer sa pièce à ce dispositif d'acquisition de la ville de Lille.